Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knorfank pour un épisode de découverte de Crazy Machine 3. Vous n'avez pas encore le son, c'était juste pour vous dire qu'actuellement il est en promotion sur Steam à moins 70%, donc il est à 2,99€ si jamais vous avez des amis qui aiment jouer aux jeux vidéo. Ça peut être intéressant, il est extrêmement bien noté. Voilà. Date de parution 18 octobre 2016, développeur Fact Software et éditeur Daedalic Entertainment. Oh, c'est Daedalic Entertainment. Voilà. Et on est avec Fox, bonjour Fox. Voilà, son du jeu. Hello Fox. Bonjour. Ah. Bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Comment vas-tu? Ça va, alhamdoulilah, bismillah, bismillahirrahmanirrahim, et vous? Ah bah ça va, ça roule. Ok. Ça roule. Ça roule, mais en français, quoi. D'accord. Donc vas-y, fais-nous, présente-nous ce jeu, parce que tu sais, j'aime pas travailler, donc je préfère laisser les gens travailler à ma place. Je trouve ça plus Mais a priori, tu as vu des images, donc tu as... à peu près ce que c'était. Alors oui, c'est un jeu vidéo. Ouais. C'est un jeu vidéo casse-tête. En fait, c'est un casse-tête. T'as une campagne principale avec 80 casse-têtes, et que j'ai pas fini encore. Les casse-têtes, ça va être quoi? Ça va être essayer de mettre la balle dans ce panier, etc. En utilisant des objets. Et tout ça, tout ça. Donc c'est du 2D, mais tu peux tourner un petit peu pour que ça fasse un peu 3D, tu peux avoir une vue 3D, mais d'accord, c'est principalement du 2D. Et du coup, faut prendre en compte la pesanteur, faut prendre en compte plein d'énergie comme le vent, comme l'électricité, comme plein de trucs comme ça. Voilà. Alors la pesanteur, c'est pas la pesanteur, c'est la espace pesanteur. C'est ça. La gravité. Et il peut y avoir de la pesanteur dans le jeu. Ah, bon. Ah aussi également, d'accord, très intéressant. Donc il y a une partie acheminement. Oui. Acheminement, je ne sais pas ce que c'est, j'ai jamais fait. D'accord. Les foires et spectacles de l'horrible physique, j'ai jamais fait. Les mini-jeux, j'en ai fait quelques-uns et qui sont sympas. Et les autres trucs, j'ai jamais fait en fait. J'ai fait vraiment que le cassette, que le autour du monde en 80 cassettes que j'ai pas fini. Je suis au niveau 50 bah non, je suis au niveau 61. D'accord. Ok. Fichier technique, t'as déjà 64. Touché ou pas? 64. Alors, fichier technique, c'est quoi? Bah, je sais pas, je te demande, t'as déjà touché à ce truc-là? Des parcours d'obstacles ingénieux? Oui, j'ai déjà touché. C'est en fait, tu dois mettre les rampes là où il faut pour que la boule puisse descendre là où il faut. Rien de spécial. Je pense que c'est. Fichier technique, je crois que c'est un truc qui fait ça en réel. C'est un constructeur qui fait ça en réel pour les petits enfants qui construisent leur. Leur petit toboggan, voilà, c'est ça. Donc c'est un constructeur, ils sont alliés avec Crazy Machine, je pense. C'est comme Freezer, voilà. D'accord, voilà. Ok. Et Lost Experiments, c'est quoi? Je ne sais pas du tout, il y en oh, a 5. Le mec connaît pas le jeu, je m'appuyais sur toi pour travailler, oh là là, c'est terrible. Bon alors vas-y, on commence par quoi? Du coup, il va falloir toutes les tâter hein, maintenant, si on fait une présente, hein, une vraie. Oh putain, j'ai pas eh ben, il faut faire les 80 casse-têtes. Faut qu'on fasse 80 casse-têtes là à deux. Bon, je te déteste. Déjà, c'est pas un jeu multijoueur. Hein. Tu joueras de ton côté et moi je jouerai de mon côté. Ok. Donc faut que je fasse l'introduction. Faut que tu fasses donc l'introduction. Télécommande de porte de garage. C'est parti. C'est parti. On se met dans un salon privé pour pas qu'il y ait des gens qui s'emmènent qui font. Vas-y. Ah ouais, j'ai oublié de mute Discord. Bon, hein, c'est pas grave. Vous risquez d'avoir un spam ou deux de Discord. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ah bah y'a Bloppy qui est arrivé. On va dire alors. Bonjour à Bloppy. Ah bah vas-y, fais venir. Bonjour Bloppy. Yo bonjour Bloppy. Les gars. Dis bonjour à YouTube. Ah bonjour YouTube. Ça va Bloppy? Ça va. Alors télécommande de porte de garage, il y a quelqu'un dehors. C'est un peu gênant, je suis dans mon garage et j'ai laissé la télécommande de la porte dehors. Vous voulez bien appuyer sur le bouton? Cliquez pour continuer. Crazy Machine. Ouais. Bon, j'ai acheté ce jeu. Alors, il faut juste que j'appuie sur lecture, là, ça va se faire tout seul, son truc, non? Non. D'accord, c'était bien. Ça donne des indices. D'accord. Vous en êtes au combien de poutres? Premier. Ah, d'accord. Et là, je suis un monstre. Oh, mais je suis tellement... Je suis pas un monstre du gaming du tout. Pourquoi? On peut pas déplacer d'autres éléments? Oh. Non, les éléments déjà en jeu, tu peux pas les déplacer. Oh. J'ai quoi? Ah, mais j'ai un dominal à mettre ici. Dominal, il est tellement... Ah, d'accord, j'ai que ça. Ok.
Ce jeu me déteste. Mais non. Eh ben c'est cool. Appuyez sur le bouton pour ouvrir la porte du garage, conseil, machin. Non, bah on s'en fout. Machine suivante. On entend le truc rouler encore pendant 15 jours, tu sais. Tu peux accélérer le truc. Hein. Ouais, c'était rigolo. Non, mais accélérer. Donc voilà, Bloppy, 3,90€. Hein. J'espère que tu l'as acheté très cher ce jeu. Bah non, sauvetage d'œuf. Les enfants du voisin ont placé l'œuf sur ce petit camion. Faites en sorte qu'il arrive jusqu'au côté gauche pour y décharger l'œuf. Je clique pour continuer. Qu'est-ce qu'on a? On a une chaise. Une chaise. Quoi? Quoi? C'est pas valide? Mais Tara, c'est... Ça marche jamais du premier coup. Hein. Alors attendez, je sais pas, visiblement il y a des trucs. Ah ok, d'accord. Ouais. Ok, donc en fait, la table, en fait, physique, elle est là, c'est ça? Nice, ok, j'ai bien compris. D'accord, bon, en fait ici c'était carrément la télé qu'il fallait placer. Toi il faut te placer là. Et je pense avec un ballon juste. Ah non, on va pas pouvoir. Quoi me sert ce ballon? Hein? Faisons une lecture, voyons voir un peu. Je vous laisse découvrir le jeu, je repasse un petit peu. Ah oh, vas-y. À toutes. Hein? Pourquoi le camion doit transporter l'œuf jusqu'au côté gauche, d'accord? J'entends. Et pourquoi il veut pas... Attends, à tous les coups, faut appuyer sur le bouton dessus? Pourquoi sur... Sûrement avec le ballon. Sûrement avec le ballon. Ah! D'accord. I know, j'ai compris. Ok. Oh, d'accord. Ok, c'est rigolo. C'est rigolo. C'est rigolo, c'est rigolo. Allez, ça fait une omelette, mais putain, les mecs ils sont même amusés à faire des petits trucs après, c'est très rigolo. Bravo. Bravo, bravo. Incroyable. Oh, mettez des pouces bleus, hein, ce jeu est très rigolo. Si vraiment vous n'avez pas d'amis, vous savez pas quoi faire de votre vie, voilà, ça me paraît excellent, ça paraît génial ici. Si à première vue tu dis qu'il existe un mode où je peux voir sur ton écran pour interagir ou je sais pas quoi. 3 jours de lessive. Aujourd'hui c'est jour de lessive. Utilisez la balle verte pour appuyer sur le bouton de démarrage et lancer la machine à laver. D'accord. Ouais, il existe un comme un Team Viewer, mais seulement pour les applications. Il s'appelle. Il s'appelle Parsec. D'accord. C'est valide. Un tuyau de ses morts. Je le mets tout mon tuyau. Tiens, pose-le là mon tuyau. Voilà, petit à petit, tatillé. Tatillé. Trop. C'est un échec. On verra bien à quoi sert le tuyau. Hein. J'y suis pas encore. On se calme. D'accord, j'ai compris à quoi servait le tuyau. Incroyable. Un puzzle game. Puzzle game très à la couche. Allez, c'est parti. Regardez-moi ça. On peut avoir une vitesse rapide? Ah non, ça c'est le ralenti. Et voilà, c'est incroyable. Machine suivante. Pour l'instant, je suis un monstre du tuto, hein, je te préviens. Hein, c'est incroyable. Hein. Pro gamer presque. J'ai pas lu. Ah mince, c'était sur les Égyptiens, tout ça, tout ça. C'est une patate de four. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Ah, voilà ce que tu veux que je fasse avec ta patate de four. Hein. Qui se suit pas? On a quoi? On a des machins, des trucs et des bidules. Pourquoi des barrettes de quelque chose que j'ai raté là. Et ça c'est quoi? Ok, on va voir ça après. D'accord, bon déjà très mauvaise idée. Range-moi ça. Range-moi ça. Voyons voir ce que ça donne sans déjà. Lecture. Ok, je vois pas pourquoi il y a un rebond de caisse. Je vois pas l'utilité.
vois pas l'utilité. Ah si, pour activer le point, la barre. Ah oui, il faut que tout passe là. Mais non, c'est une blague, parce que ça, du coup, c'est mort. Ça c'est 100% mort. Non mais, dégage. Et ça, ça me paraît extrêmement compliqué aussi. Alors, est-ce qu'on peut rotate les objets? Est-ce qu'on peut, on peut faire des choses? Non, pas de rotation d'objets. Je vous jure, il y a un truc que j'ai raté quelque part. Parce que là, c'est clairement pas ma caisse que je dois déplacer. Merde, non, faut juste ça. C'est vrai qu'il est pas évident ce point. On connaît pas le jeu. Ah, c'est bon, j'ai compris. Sauf qu'ils pensaient pas qu'ils auraient affaire à un génie du gaming. Et voilà, je suis un génie du gaming. Et voilà. J'ai tout compris. J'ai vu l'avenir. J'ai percé ce jeu à jour. Alors le cinquième, le parcours de balle. Quelque chose cloche avec mon parcours de balle. Mais je ne vois pas quoi. La balle verte citron doit traverser le cercle de la même couleur. Je clique pour continuer. Qu'a-t-on à disposition? On a une télé. Téléviseur de papy. Un escalier improvisé. Ah bon, ça a l'air de marcher. J'ai un monte-ballon de basket. Une chaise. Parcours de flipper droit. Voyons voir comment ça tourne cette histoire. Qu'est-ce que c'est que ce truc possédé là? Moi, ouais, tout ce qui m'intéresse, c'est la balle verte, hein. Ouais, elle doit traverser le cercle de la même couleur. Traverser le cercle vert. Regarde ce qui se dit ou ce qui se fait dans le milieu. J'ai pas tout compris. Ouais. Alors, est-ce que je dois emmener? Pourquoi? Si je fais ça, je vois pas l'intérêt. Quelque chose que j'ai loupé quelque part là. Qu'est-ce que t'essayes de faire? Oh, il y a un truc avec les balles violettes, je pense. Il y a un délire avec les balles violettes. Ouais, non, mais arrête-moi ça. Alors, attends, je vais revirer ça. Quel genre de parcours je pourrais te faire faire? Petit ballon. Parce que je vois que. Je vois en fait, je comprends que tu dois faire tout le tour. Lui, il est en hauteur. Pourquoi? Pour que je puisse poser une chaise juste en dessous? Non. C'est non. Est-ce que c'est parce que je peux poser une télé dessous? Non. Est-ce que par contre, ce serait pas pour poser un escalier improvisé qui est plus haut? Exactement. Avec une télé juste à côté. Incroyable. J'avais vu venir tout cela. Ok, vas-y, fais ta balade. On va voir où est-ce que je vais avoir besoin d'ajuster. Très rigolo comme petit jeu. Et là c'est au bout où je vais merder, parce qu'il va falloir régler ça pour pas que la balle tombe en bas. Même avant, puisque à première vue elle va aller dans la coulisse qui glisse le long de la cuisse. Ok. J'ai ce qu'il te faut ici. Par contre, le reste, ça me paraît léger. Mais vas-y, on voit, on verra bien. Ah ta 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 ta. J'ai compris où était le problème. I can see forever. Voilà. Et là, c'est bon. Et là, on est bon.
Enfin, à ce qui paraît, on est bon. Zwip. Et on a un circuit continu où toutes les balles vont se promener. Oh là là, c'est incroyable. Très rigolo, hein. Yes. Ah, ici, du coup. Bah, écoute, ouais, enfin, je suis en train de boucler le truc. Tranquillement. Je le regarde se boucler peinard. Oui. Et voilà. Et on a fait tomber une licorne. C'était très bien. C'était super. Là, avec recyclage, séparation, ça va être beaucoup plus difficile. Et qui a besoin d'autant de balles en plastique sur son toit? Séparez-les pour les recycler. D'accord. 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 Ok, on a trois éléments cosmiques phénoménaux. Qu'on ne peut pas pivoter, bien sûr. Jamais. Jamais. Ce qui reste un véritable problème. Ouais. Écoute, on va lancer déjà pour voir comment... physiquement comment ça se goupille. D'accord, donc les rouges sont plus grosses que les autres. Mais c'est formidable. Le monde du jeu vidéo, il est vachement bien fait. Regardez ça. Ah. Mais attends, pourquoi j'ai un... Parce qu'en fait, le plus compliqué, ça va être de ramener mes bleus. Est-ce que... Ah, mais est-ce que je fais pas ça genre comme ça? Genre comme ça? Moi, ça me paraît... Je suis pas convaincu. Hein. Pouf, celle-là glisse. Ah, la bleue passe à travers le jaune, quoi, carrément. Ah, c'est ça le manque de respect absolu! What? C'est comme ça que vous définissez le mot respect? J'hallucine. Mettons ça comme ça. D'accord, donc l'autre il passe carrément à travers en mode Balek. Ok, la bleue passe carrément à travers le truc jaune en fait, en mode on s'en fout. Là ça peut être intéressant d'utiliser la molette souris clic, tu sais, pour observer, pour tourner, pour pivoter. Ça peut être intéressant de voir comment ça évolue. Alors j'ai juste une balle bleue qui est tombée en dehors parce que fuck le respect. Donc on peut utiliser... Ah déjà on peut avec le clic droit on peut monter, on peut descendre, c'est rigolo. Et donc avec le clic molette... Ah on peut tourner. Ah oui c'est trop bien. Mais non. Nous on a merdé juste sur une bleue. Pourquoi? Est-ce qu'il faut que je décale légèrement le réceptacle? Ah non je peux pas trop d'ailleurs. Si peut-être en le descendant. Ah, c'est juste qu'il y en a une qui a légèrement tapé sur le bord. Oh. Voilà, comme ça. Juste la descendre un tout petit peu, ça devrait le faire. Voilà, c'était juste un petit souci d'optimisation. Voilà. Réussi ? Ouais, ouais, c'est réussi. Moi, j'ai utilisé que 3 objets parmi les 5. Toi ? Ah, il faut utiliser... Ah d'accord, je sais pas, moi j'ai tout utilisé, mais je pouvais en utiliser... Bah ouais, donne-moi, ouais, en fait tu peux te passer de tous les jaunes. Non, moi j'ai utilisé un rouge, un bleu... Ah oui, tu peux peut-être... on peut revenir à l'épreuve précédente ou pas? Oui, bien sûr, dans le menu. Allez, on retourne sur nos poubelles à couleurs, juste pour voir. D'accord. Ouais, ouais, je vois bien. En fait, tu dis juste lui. Lui. Je crois d'ailleurs lui un peu comme ça. Et normalement, c'est Gwen. C'est ça. C'est ça son projet. Ah non, la jaune va à la benne, sinon. Pas va à la benne. Pas à la bonne benne, d'ailleurs. On a utilisé 3 sur 5, c'est ça?
Ouais, seulement les 3. Ouais. Ouais, c'est ça, tant que j'en ai avoir 3 sur 5. Sinon, les jaunes tombent à côté. Voilà, mais ça ne change rien. Voilà, c'est cool. Oui, c'est vrai. Je pense que je pouvais arracher un succès en plus, mais. Mais voilà. Réparation de crevaison. Oh non, je dois livrer de la matière noire à un bon ami. Mais ma voiture a un pneu crevé, il me faut une nouvelle roue pour la réparer. Cliquez pour continuer. D'accord. Bon, déjà, est-ce qu'il se passe quelque chose? Wouh! Grosse ambiance. Bras puissant, suffisamment puissant pour pousser des objets. Oh. What a grand box. Je vais mettre une patate, moi, au machin, tu vas voir. Tu vas voir la patate que je vais lui coller, moi, ce bâtard. Tu vas voir ce que je vais lui mettre. Alors, ça, c'est pour le fun. Voilà, c'est pour le fun. Et ça, j'en sais rien pour l'instant, je le place là parce que c'est très rigolo. Et ça, je sais pas. Tiens, pour l'instant, je vais mettre là parce que j'aime bien mettre le sbul. Ah, bon, faux. Hein? D'accord. Donc, non. C'est non. Mais il y a une idée, hein. We have an idea. Peut-être en ajoutant une briquette ici. Et un bras là. Ah bah non, juste un bras. Tiens, regardez ça. Oui. Et toi là. Et toi là. Je viens de me manquer de respect. Mais complètement. Comme d'hab. On va te mettre plus bas. Ah non, plus bas t'es dans le déco room. Hein. Est-ce qu'il faut vraiment que je rajoute une briquette là? Ouais, ça va être obligé. Hein. Si je me passe de cette briquette pour la mettre là, mais elle va tomber là. Et c'est ça, elle tombe. Ok. Ça sert à rien. Faut que je la colle à toi. Je peux même pas te coller à toi. Je suis troublé. Je suis perturbé. Ah, il y a peut-être des trucs que j'ai inversés aussi. Bah non, en fait. Bah voilà mon problème. Cool. J'ai réglé mon problème juste parce que je me suis servi de mes neurones. C'était incroyable. C'est l'intelligence, my dieu. Incroyable. J'ai un neurone qui a touché l'autre là, il s'est passé un truc. Mais ta race de tes morts. Pas assez haut du coup. Non mais là le ballon il va passer en dessous 15 fois quoi. En fait. Du coup je n'ai réglé aucun problème. Ah non. Mais ça touche pas quand même. Parce que ma vie c'est de la merde. Je me dis pas qu'il faut qu'on fasse ce genre de réglage à poil de cul là. Parce que sinon ça va m'énerver. Ça peut arriver mais pas tout. T'es sur le ventilo, enfin les palmes là. La roue de voiture à faire tomber. Ouais, non mais t'es sur la palme à bien placer. Ouais c'est ça, là, visiblement ouais c'est ça, c'est la pale qu'il faut bien régler. Bah, ça va être comme ça en fait. Ah oui, pourquoi j'essaie de la reculer tout le temps en fait, j'ai juste à l'avancer. Bah oui, parce que j'ai pas assez, je suis bloqué par la gouttière. Voilà, bah voilà. Alors c'est difficile de pousser un troisième neurone. Zblu. Alors, merde, voilà, et toi viens ici. Voilà. En plus c'est plus rapide. Alors ça avance rapide hein, comme tu l'as vu peut-être. Non je peux pas faire avance rapide là en fait, il me le propose pas, je peux juste faire pause.
Bah, tu peux cliquer dessus quand même, je crois. On peut proposer pas mal. D'accord. On a réparé une voiture, mais sans roue. C'est le gros style. Alors, on va se finir le tuto. Hein. Attention, vidéo extrêmement longue, non commerciale. Basket de jardin, je parie que vous n'arriverez jamais à marquer. Pour qui me prend-il? Ah, c'est sûr. Ok, c'était bien. Bon, déjà, il faut que je fasse tomber ça là-dedans. Alors, on a une planche. D'accord. Parce que les planches, c'est bien. Le panier de basket, il est là. C'est bien. Posons ça par terre. Non, d'accord, on peut pas. C'est bon, je te ramène là. J'ai bien compris. Alors, la question, c'est est-ce que la balle se prendrait ça dans la figure? Tu vois un peu? D'accord, donc on a bien de l'espace à gauche, en effet. D'accord. Est-ce que ça part sur un gant de boxe? Eh, on peut pas, là. Ce poteau nous gêne. Voilà. Ce n'est pas possible. Comment fonctionne le monde du jeu vidéo? J'aimerais comprendre à quel point il est génial. Le jeu vidéo, c'est... Mais... Ah. Ça accroche au milieu du... Ça fait quoi ce truc? Je peux même pas, en plus je suis en dégâts de collision contre tout. Voilà, juste pour voir, ça fait quoi ça? D'accord. Et j'ai le vrai panier de pied. Et là ça tombera jamais dedans là, 100%. Il y a toute une série de trucs que j'ai pas pigé. Ou alors, on est vraiment sur ce genre de truc nul, quoi. Ce qui est pas impossible. Ah, ça ferait quoi si je tapais dedans? Oh, la barre. Des barres si ça marche. Non, la planche elle tombe, là. Non, elle ne bouge pas, elle est inamovible. Il a dit non. Je pourrais mettre une patate dans un domino, mais je vois pas l'intérêt. Pas tellement l'intérêt. Ah, ça y est, je suis bloqué. Il a fallu réfléchir plus de 10 secondes. Ça y est, je suis bloqué. Parce qu'en fait, il y a plein d'éléments dans tous les sens. Effectivement. De toute façon, attendez, je me laisse peut-être feinter depuis le début pour rien. Il se trouve qu'il me suffit simplement de mettre... Ah ben non, je peux peut-être pas mettre la patate de fourrin là, en fait. Le jeu a fait exprès de mettre une caisse, salaud. Ouais, mais dans tous les cas, ça change rien. Dans tous les cas, ça change rien. Parce qu'en fait, il faut que cette balle, elle me fasse basculer ça. Comment je la fais basculer ça? Non, mais là, ah merde. Ah ouais. Oh. Il y a peut-être une idée. Le problème c'est que j'ai que ça. Et ça marche pas. On l'a vu. Voilà, le truc rentre pas dedans. Il refuse de coopérer. C'est non. Est-ce que je vois pas comment je me sers de la balle de départ en fait? Alors la balle de départ, moi j'ai mis le truc qui fait le panier de déchargement qui fait pivoter la balle. Ouais. Dans le... Ouais. On est d'accord? Mais elle tombe pas dedans, ça en fait, elle tombe pas dans le tuyau. Et ben faut le mettre un peu plus haut ou un peu plus bas, on sait rien. Ah d'accord, donc ça marche bien, c'est bien. Ah d'accord, mais non mais d'accord, c'est juste sur la barre qu'il veut pas. J'ai rien dit. J'ai juste rien dit. Voilà. Mais nique-toi aussi. Non mais nique-toi. Nique-toi bien.
Ok, on tient un deal. Ok. Ensuite, on met le panier de chargement pour aller en haut. Yes. Monte ballon de basket. Eh non, je suis bloqué par le tuyau. Donc on se replace. Ok. Et oui, en fait, là, ce qui nous intéresse, c'est pas de faire monter la balle, mais juste de taper avec le panier. Yes. Excellent. D'accord. Hop. Plateforme. Le tonneau est resté bloqué. Attends, je veux revoir ça. Ah oui, pour empêcher le tonneau de tomber tout en bas, peut-être. Je suis même pas sûr de mon coup, mais admettons, elle, la balle, comment on la récupère? On la récupère comme ça. Elle fait un blus blus blus. Mais je vois pas son. Je vois pas l'intérêt, attendez. Faut que je mette un dominal ici, ouais, ça c'est sûr. Mais je vois pas l'intérêt. Ou alors, il y a une histoire de zigzagouille. Qui sent bon la magouille, voyez? Voyez le genre de truc? Genre ça ici. Genre ça, l'eau. Et... ouais, ça me paraît compromis que ce soit ça. Ah ouais, d'accord. Et on lui demande de venir taper l'hélice. C'est l'hélice qui tape, ok. Les dominos, ouais. Ouais, c'est ça. T'as tout vu. Par contre, je sais pas si c'est la rampe... si ma rampe elle est ouf en fait. Faut tester en fait. Tu ouais, testes. Ouais, je pense que ça va être ça. Bismillah Brahmin et toi. Ah non, d'accord, ça marche juste pas du tout. Ok, je pense que la pente faut la mettre vraiment en bout de manière à pas avoir de collision. Voilà. Un truc comme ça. Ah. Bon, merci de m'avoir dit d'insister avec mon petit panier là parce que j'étais en train de m'énerver, en train de me dire comment ça je peux pas placer ce panier. Qu'est-ce que c'est que cette merde? En fait, il y a vraiment juste sur la petite poutrelle en bois où je voulais le mettre que ça passait pas. Et voilà. Succès dévoyé, vous avez bien retenu les bases. Bon, je sais pas. Hein. Je sais pas si avec mon Fox, ça marcherait aussi bien. Hein. Ouais, encore, je suis pas sur ta vue. Quand je serai sur ta vue, ça sera... Voilà. Rêve d'une boîte à musique. Ah, ce que je donnerais pour entendre à nouveau la berceuse de mon enfance. Allumez cette boîte à musique. Qu'est-ce qu'il y a? Que dis-tu? Tu veux pas qu'on recommence un épisode que de YouTube? Ah oui, parce que ça y est, je suis dans la campagne là, ok. Ouais, bah oui, carrément. Carrément, bah hé, vous savez, c'est même pas moi qui ai pensé à l'épisode commercial. J'adore tourner avec des gens qui pensent à demander des pouces bleus. Est-ce que tu demandes aux gens de mettre des pouces bleus pour cette merde? Ouais, des bisous YouTube, le pouce bleu, le partage, attention, hein, le road tout 300. Non, il faut pas qu'on atteigne les 300, non. Après, on va commencer à avoir de la visibilité, faites pas ça. Désabonnez-vous, cassez-vous. Des bisous.